Et allez, messieurs, dames, on vient découvrir l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène. L'halogène qui vous éclaire sans peine, messieurs, dames. La pénombre vous gêne. Vous aimez que votre maison de lumière soit pleine. Achetez l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène, c'est l'halogène qui vous éclaire sans peine, messieurs, dames. Alors, achetez l'halogène de Gégène. L'halogène du futur. L'halogène de Gégène. Quand tu veux le téléphone, l'halogène de Gégène. L'halogène du futur, messieurs, dames. L'halogène de Gégène. Un téléphone. Oh, un bon coup de fil surprise, Gégène. Oh, qui c'est qui vient de ranger le Gégène sur son stand, la merde. Hello, Gégène, le roi de l'halogène, j'écoute. Qui ça? Qui est à l'appareil? Pierre. Pierre. Ah, Pierre, le roi du cutter, le cutter pas cher, qui coupe tout même le verre. Ça, croyez-moi, c'est une affaire. Comment vas-tu, mon Pierrot? Ça va, ça se passe bien cette fois? Hein? Oh bah c'est dur, hein, les mecs ont pas un radis comme d'habitude, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, dis-moi, est-ce que t'as des nouvelles de notre ami Gérard? Hein? Gérard, l'empereur du Tupperware! Grâce à son couvercle thermomoulé, ce Tupperware peut conserver à manger comme à boire une compote de fruits, une salade de poire. Bref, chez vous, il faut l'avoir! Gérard! Hein? De quoi? Il est parti faire une poire. Ah bon, tu as dit non. Oh. Et toi, ça va, mon Pierrot, sinon, ça se passe bien? Ta femme, ça va bien, ta femme, Pierrot? Ouais. Ta maîtresse aussi? Ah, mon salaud de Pierrot. Ah, ta femme, c'est toujours rien? Eh ben, tu connais le proverbe, mon Pierrot? Hein, tu connais le proverbe? Eh ben, les maîtresses sont au couple ce que les dents du fond sont à la bouche. Eh ben, on ne les voit pas, mais ce sont elles qui font tout le boulot. Voilà, mon Pierrot. Hein? Oh, ben, ça, c'est des petits proverbes comme ça qu'on dit sur les foies, mon Pierrot. Oh, ben, moi, ça se passe très bien, mon Pierrot. Ah oh bah dis donc, mon Pierrot, tu sais que le Gégène, c'est le meilleur vendeur que les foires aient jamais connu, hein. Et là, je peux te dire qu'avec l'halogène, je vais te les plumer comme des... Oh putain, attends, je te laisse parce qu'en voilà un wagon avec les têtes qu'ils ont, je vais les plumer comme des poulets fermiers, les mecs. Hein? Et bah je les dépouille et je te rappelle, mon Pierrot. C'est ça, c'est ça. Allez, salut, 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 mon Pierrot, salut, salut. Messieurs, là, on vient découvrir l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène, l'halogène qui vous éclaire sans peine. Messieurs, dames, la pénombre vous gêne, vous aimez que votre maison de lumière. Messieurs, dames, l'halogène de Gégène. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs, s'arrêtent pas sur le stand du. Ah, tiens, monsieur, l'halogène de Gégène, l'halogène qui vous éclaire sans. Qu'est-ce que c'est que cette qui en tête de. Ah, tiens, monsieur, venez voir ça, c'est l'halogène de Gégène, l'halogène. Monsieur, ça c'est l'halogène de Gégène, monsieur, l'halogène du futur, monsieur. Tiens, tiens. Parce que c'est vous, monsieur, je vais vous faire un cadeau. Habituellement, je le vends tout seul. Mais là, parce que c'est vous, monsieur, j'ai envie de vous faire un cadeau. Habituellement, je le vends tout seul. Mais là, parce que c'est vous, monsieur, j'ai envie de vous faire un cadeau. Habituellement, je le vends tout seul. Mais là, parce que c'est vous, monsieur, je vais vous faire un cadeau. Habituellement, je le vends tout seul. Mais là, parce que c'est vous, monsieur, je vais vous faire un cadeau. Habituellement, je le vends tout seul. Mais là. Parce que c'est vous, monsieur, vous faire un cadeau, tu vois, on peut durer comme ça une heure et demie, monsieur. L'halogène de Gégène, monsieur. Je vais vous faire un cadeau, monsieur. Je vais vous faire un lot, monsieur. Je vais vous faire l'halogène. Et en cadeau, monsieur, je vais vous faire un système révolutionnaire qui vous permet de l'allumer et de l'éteindre par simple pression du doigt, monsieur. Allez, hop, voilà. Hein? C'est un interrupteur, ça s'appelle, monsieur, un interrupteur. Et plus en cadeau, parce que Gégène est paradin, je vous offre les fils, monsieur. Les fils, monsieur, qui vous permettent de l'allumer sur toutes les prises de... Qu'est-ce que c'est que cette clientèle de blaireaux cette année? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le Gégène sorte le grand jeu, c'est ça? Alors plantez l'oseille parce que ça va, mon cher rouge, moi. Tiens, gamin, toi là-bas, viens ici. Toi, ça fait longtemps que t'as pas eu de gonzesse, hein? Mais tu m'étonnes, comment tu veux draguer avec un physique de poulpe pareil? Eh ben, achète l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène peut tout faire, jeune homme. Tiens, tu t'achètes l'halogène de Gégène. Et tu te fais, tiens, pourquoi pas, regarde, une petite séance de musculation avec l'halogène de Gégène, tu vois. Tiens, tu as fini ta musculation, tu sens un peu le poney. Eh ben, c'est normal, tu viens de sculpter ton corps. Eh ben, regarde, avec l'halogène de Gégène, tu prends une petite douche avec l'halogène de Gégène, jeune homme. Hein, Tiens, vous, madame, l'été dernier, sur la plage, vous avez perdu la gourmette que votre grand-mère vous a offerte avant de partir pour un long voyage avec les vers de terre. Hein? Eh bien, achetez l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène peut tout faire. Regardez, vous achetez l'halogène de Gégène et vous allez sur la plage et vous cherchez la gourmette. Regardez, vous cherchez la gourmette avec l'halogène de Gégène, madame. Tiens, vous avez retrouvé la gourmette? Eh bien, regardez, vous creusez avec l'halogène de Gégène. Vous creusez avec l'halogène de Gégène, madame.
Hein, vous êtes content d'avoir retrouvé la gourmette, madame? Eh ben, fêtez ça avec des amis, faites des pizzas avec l'halogène de Gégène. Faites des pizzas avec l'halogène de Gégène. Vous, madame, vous aimez l'église, les curés, mais vous n'avez pas le temps d'aller à la messe. Achetez l'halogène de Gégène. Grâce à lui, la messe à la maison. Alors. Hein, voilà. Et vous, monsieur, la messe vous emmerde? Eh ben, l'halogène de Gégène est là pour vous aider aussi. Tiens, regardez. Voilà. Allez, hop. Monsieur, là. Bon, vous là-bas, monsieur, vous avez un petit morceau de gazon à débroussailler. Achetez l'halogène de Gégène. Il peut tout faire, l'halogène de Gégène. Regardez-moi ça. Tiens, je te fais le maillot à toi, tiens. Tiens, tu m'as bloqué la lame, mon salaud, dis donc. C'est l'hiver, on enlève la laine polaire. Hein. Tiens, je te la donne, voilà. Tiens, vous là-bas, là, avec votre sale gueule, là, je suis sûr que vous n'avez même pas assez de pognon pour payer des vacances au ski à vos enfants. Achetez l'halogène de Gégène. Grâce à lui, la montagne vient dans votre salon. Regardez. Hop là! L'halogène de Gégène, monsieur. L'halogène de. Commence à me gonfler un peu tous là. Oh, Gégène, il va faire un truc qu'il n'a pas fait depuis 30 ans. Il va prendre des vacances, le Gégène.